Bonjour, je suis Dominique Laporte, meilleur sommelier de France 2004 et meilleur ouvrier de France la même année en 2004. Donc je vais vous parler un petit peu de la façon dont on traite et on aborde le saké et plus précisément le nihonshu, puisque le nihonshu veut dire saké japonais de qualité. La particularité donc des sakés, c'est d'avoir un système de régulation comme nous l'avons pour le vin en France, avec un système d'appellation d'origine contrôlée. Sauf qu'au Japon, ça s'appellera GI, donc ce sont les lettres GI qui veulent dire indication géographique. Il faut, je pense, recadrer une chose, c'est le terme saké. Car le terme saké, en Asie, veut dire tout simplement alcool, spiritueux. Mais la particularité, c'est que dans les spiritueux, ce sont souvent des produits distillés. Donc on connaît les baijiu chinois, on connaît les eaux de vie de distillation à base de riz. Par contre, le saké dont on parle aujourd'hui, le nihonshu, la particularité, c'est que ce n'est pas un alcool distillé, ce n'est pas un alcool fort. Ça va tourner autour de 16% d'alcool. Et la particularité est donc d'être une boisson fermentée à base de riz. Tout comme en France, nous avons le vin qui est une boisson fermentée à base de raisin. En France, donc, nous avons un système qui régit les appellations d'origine contrôlée, donc qui est l'INAO, qui est un organisme qui va contrôler et faire en sorte que chaque région va avoir donc un cahier des charges à respecter pour pouvoir prétendre à cette fameuse appellation. La particularité, c'est que chacune va avoir des cépages différents, des types de sols différents, l'âge des vignes qui rentrent dans la production va être important, on va avoir le rendement, on va avoir la manière de travailler, donc il y a beaucoup d'éléments qui sont pris en compte pour arriver jusqu'à cette reconnaissance qui va faire la particularité d'une appellation. Donc ça veut dire qu'une région comme par exemple la Bourgogne avec ses propres appellations n'aura strictement rien à voir avec une appellation d'Alsace. Pour la partie Nihonshu, c'est exactement la même chose. Donc il va y avoir 6 régions qui ont été définies en tant qu'appellation d'origine. Et ensuite, il y aura aussi une réglementation spécifique, donc qui est aussi une indication géographique, qui va réguler la manière de faire les sakés de qualité, donc les Nihonshu. La GI, donc l'appellation contrôlée Nihonshu, elle va permettre d'apporter un cadre dans la manière de fabriquer le saké, à savoir d'avoir un climat particulier qui est lié aux différentes zones, mais surtout la manière de le produire à la fois avec les caractéristiques qualitatives, l'humain, le climat et la procédure de mise en route pour la fabrication du saké, du Nihonshu de qualité. Au niveau des appellations reconnues donc au Japon pour le saké, il y a d'abord dans celle qu'on a vue, donc Nihonshu qui définit les bases de la manière de travailler. Et ensuite, on aura 6 régions qui bénéficient d'une appellation. Donc ces 6 régions sont arrivées au fur et à mesure du temps. La première donc date de 2005 avec l'appellation Hakusan. Ensuite, il y a eu donc l'appellation Yamagata. Puis par la suite, donc Nadagogo. Et viennent par la suite Harima, Mie et tout récemment Tone Numata. Parmi les zones qui ont été qualifiées comme étant supérieures et bénéficiant d'une appellation d'origine, on a la région de Hyogo qui est un peu particulière puisque c'est la seule qui bénéficie de 2 appellations, donc que sont Nadagogo et Harima. Donc Nadagogo a été la première des deux à obtenir l'appellation. La particularité donc c'est qu'elle va avoir une eau qui est d'une pureté exemplaire, donc qui s'appelle Miyamizu. Ça veut dire que c'est une eau d'une pureté qui fait que le saké va avoir une qualité vraiment à part et exceptionnelle. La GI de Nadagogo a une particularité, c'est que c'est une des premières et surtout elle va regrouper en fait 4 zones à l'intérieur de la région de Nada où vraiment il y a une spécificité liée à l'eau, à cette eau si pure. Elle est réputée par rapport à ça et du coup il va avoir une obligation de produire, de brasser et de mettre en bouteille dans la zone de production de Nadagogo. Pour la région d'Harima, qui est un petit peu plus récente, le cahier des charges aura une petite particularité, c'est que là, le riz utilisé pour la fabrication du Nihonshu sera très importante, puisqu'on va utiliser la fameuse variété qui s'appelle Yamada Nishiki, qui est considérée comme la plus belle production de riz et la meilleure pour la production de saké de qualité. Cette zone de Nadagogo et d'Harima, donc dans la province de Hyogo, est réputée pour ses riz et notamment pour la qualité de son riz et de son terroir, et notamment le climat qui est un climat beaucoup plus froid que dans d'autres régions, qui permet un meilleur brassage, une meilleure qualité de saké, et surtout le fameux riz donc Yamada Nishiki, qui est réputé pour être le plus grand, a aussi une origine, c'est-à-dire qu'il a commencé à voir le jour dans cette région. La capitale de la région de Hyogo est la fameuse ville de Kobe, très connue dans les mondes des gastronomes, notamment pour ses viandes. Et vous avez 2 grandes villes qui bordent la région de Hyogo, donc que sont Osaka et Kyoto.
La région de Yogo a une particularité, c'est qu'en fait, elle va traverser complètement le pays, donc elle est bordée par la mer au nord et bordée par les mers au sud. Et la particularité, c'est son altitude. On est autour d'environ 1000 mètres et elle est surtout influencée par un vent particulier qui s'appelle Loko Olosi, qui va avoir une incidence sur les températures, sur la fraîcheur, tout comme ses entrées maritimes et ses vents un peu froids, qui vont vraiment créer une ambiance plutôt fraîche et tout à fait parfaite pour la production de saké de grande qualité. Le saké, et plus particulièrement le Nihonshu, donc ce saké japonais de qualité, est reconnu depuis plus de 2000 ans. Mais la particularité, c'est qu'aujourd'hui, on a une régulation qui a été calquée sur le modèle français et européen des systèmes d'appellation, qui fait que depuis 2005, il y a un système qui est mis en place avec quelque chose de strict, de très cadré, et de plus en plus de choses sont en train de se mettre en place, notamment avec la première appellation qui date de 2005, et eux ont suivi derrière en 2015, la régulation de la manière de faire le saké, et depuis donc d'autres régions, donc 6 maintenant en font partie, notamment donc Nadagogo qui l'a obtenu en juin 2018 et Harima en mars 2020. Et aujourd'hui, c'est vraiment pour les producteurs de saké une très grande reconnaissance de pouvoir être sur le modèle européen et français pour que le public du monde entier comprenne que c'est vraiment un produit de très très grande qualité avec des règles très précises qui encadrent vraiment de manière soignée et toujours dans la notion de très grande qualité. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris certaines choses. J'espère que vous regarderez les prochaines aussi pour apprendre encore un peu plus de détails. Campagne.